s'il te plaît. Bah non, on laisse partir Ellie. À ce soir. Ouais, salut, à ce soir. Ça va la princesse, on te dérange pas trop? Bah non, tu vois, je m'occupe de ma soeur handicapée. Bravo, génial. Elle est pas là, maman, tu vois bien. Non, elle a plein de trucs à faire en ce moment. Pourquoi tu lui dis ça? Je vais pas lui dire que ma femme me quitte. Faut que tu restes en dehors de ça, de toute façon. Ouais, enfin, je vois pas bien comment, là. Qu'est-ce qui s'occupe de Manon après l'école, à ton avis? C'est ton père qui t'a demandé? Non, c'est pas lui qui m'a demandé, mais je veux pas le laisser dans la merde. Franchement, t'en as pas marre, des fois, hein? Non. C'est pas grave, regarde. Oh. Non, elle a fait une crise, elle arrivait plus à s'arrêter. Je suis sûr que t'as fait exactement ce qu'il fallait, t'inquiète. Il y a d'autres solutions pour elle maintenant. Bah ouais, mais c'est pas les bonnes. C'est quoi ce truc-là? Mais c'est rien, ça, c'est pour la tenir assise. Dégagez! Elle a besoin d'avoir une vie sociale. Une vie sociale dans un centre? Et j'avais trouvé une solution, ton père en veut pas. Tu te rends compte? Tout ce que t'as à vivre d'ici là? Je veux que ça s'arrête, c'est tout. Que l'handicap de Manon, ça s'arrêtera jamais! Mais y a que Manon qui compte pour toi, y a personne d'autre!